fois. On a vu les deux protocoles de surveillance et supervision des syslogs ou NTP. NTP, en gros, syslog, les messages syslog. Par contre, NTP, c'est pour la synchronisation. On ne peut pas faire une surveillance ou une supervision, là, qui magnamet une synchronisation de l'heure, les périphériques. C'est pour cela que donc syslog ou NTP parmi aussi les protocoles qui nous une surveillance ou une supervision. Et on va voir un troisième protocole. Il est classé comme un protocole de supervision. Le SNMP. SNMP. Donc pour Simple Network. Management pour donc Simple Network. Donc, c'est un protocole de gestion, là, de supervision, là, de gestion, protocole de gestion réseau. Simple, normalement, c'est un protocole pour la supervision. C'est un protocole qui fonctionne UDP en 61. Mais en gros, on va voir en gros, UDP 161, UDP 162. On va voir par la suite. Par défaut, il utilise 161 UDP ou parfois il peut utiliser UDP 162, mais dans un type de message. Hein. Je fous les messages par la suite. Ou le type de message SNMP qui est ML, le 160. Mais bjouj, moi, bjouj, ce sont deux numéros de ports qui sont utilisés sur SNMP. Oui? ايه الاكرام ما بارطاجيش مع الناس D'accord. C'est bon. D'accord, donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la suite des protocoles, la supervision, la surveillance et supervision réseau, le SNMP. Donc, Simple Network Management Protocol. Donc, c'est un protocole de supervision réseau. Il fonctionne UDP 161 et 162. D'accord, comme première information, ben on peut détailler. C'est un protocole, en gros, c'est un protocole de communication, là, de gestion, qui permet, en gros, aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau. Et normalement, les équipements, les serveurs, les ordinateurs, les switches, les routeurs, les points d'accès, je ne sais pas, les périphériques sur le réseau. Je peux suivre le fonctionnement mondial ou l'état de fonctionnement mondial. Donc, c'est donc permet de suivre l'état de fonctionnement des périphériques réseau. D'accord, l'état de fonctionnement de périphériques réseau, pas par exemple bande passante,
l'état des interfaces. Up, down. C'est pas pourcentage d'utilisation. Du processeur. La RAM. Je sais pas, l'occupation du disque dur. De remplissage. Disque. Dur. Voilà, donc le taux du trafic, hein. Il peut même aller jusqu'à c'est pas il détecter la chaleur, hein, pour aller plus loin. La chaleur, par exemple, le fonctionnement d'un composant liquide, un périphérique. Hein. La chaleur par exemple du processeur ainsi de suite, hein. Donc vous pouvez tout ce qui a une relation avec les composants les périphériques, le SNMP il peut avoir une information à l'air. Donc, c'est un protocole qui permet de suivre l'état de fonctionnement des périphériques ou les composants, les darlings, les périphériques. Donc, le premier objectif du SNMP. D'accord. Maintenant, je nomme les composants. La nuit qu'on dit le SNMP, c'est quoi? Quels sont les composants? Composants de SNMP ou la SNMP. La terminologie, les katamshima SNMP. Donc en premier, ce qu'on appelle un gestionnaire SNMP. Bouhada, normalement, il sera installé sur un appareil, sur ce qu'on appelle le superviseur. Hein. Installé dans un serveur ou là, un périphérique quelconque, ce qu'on appelle le superviseur. D'accord, le côté protocole, le côté serveur, dit le protocole. Hein, c'est un gestionnaire de SNMP. Les informations donc les informations les périphériques donc les informations le taux de remplissage du disque la chaleur par défaut parfois manager SNMP en anglais ou la gestionnaire SNMP. Deux, qui est l'agent ou les agents SNMP. Les agents SNMP, par là, le côté client de SNMP, qui sont des agents. Les deux, ce sont normalement, ils doivent être, ou normalement, ils doivent être activés. Maintenant, je parle de la suite, le SNMP, il est présent. Presque tous les périphériques et périphériques SNMP. Le SNMP, déjà, c'est un protocole standard, hein, qui n'appartient pas à un organisme standard. C'est pour cela qu'il existe tous les périphériques, les ordinateurs, les points d'accès, les routeurs, les commutateurs, n'importe quelle marque, les PC portables, même les smartphones, les téléphones et périphériques. Un agent SNMP. Le roi par défaut n'était pas
activé كاين دي بار ديفو كاين دي بيريفيريك لي activé par défaut, mais Arlabia, l'agent, le protocole côté client n'est pas activé par défaut. Hada normalement, il est installé. Voilà, présent, en gros, non, il est présent dans presque tous les périphériques. يعني ما كيختصرش على اون مارك وحده سيسكو نقولوا لا توت مارك كونفوندو كما كان ان بيريفيريك ديال ان بيريفيريك فينال يعني ان اورديناتور ان تليفون اي بي جو سي با ان سمارت فون يعني اي بيريفيريك اللي كيخدم به ليوتيزاتور كاين فيه نورمالمون الي هاد لاجون سكون ابي لاجون اس ان ام بي. Les agents qu'on appelle les appareils supervisés. Donc, on dit un superviseur. Voilà. Donc, supervisé. Donc, après, on a un terme qui s'appelle l'OID. Object Identifier. Identifiant d'objet. L'identifiant d'objet. Comment normalement, les composants électriques comme le suivi. La logique SNMP, coule composant, et composant, normalement, il y a un périphérique, ce qu'on appelle un OID. Donc, l'OID, le numéro identificateur unique pour le composant. Donc, l'identifiant, il est unique dans l'arborescence ou le chemin. Par exemple, un processeur. Le processeur, on chauffe le taux de remplissage ou le taux d'utilisation dialo, le pourcentage process dialo. Had le maloma, عندها واحد l'OID. Ce qui fait un amniradin en tant que gestionnaire SNMP, on a un club, had l'OID, le واحد composant, غيعرف بأنه, puisque qu'on communique le même langage ou SNMP, غيعرف بأنه راه بغيت نعرف واحد المعلومة على le taux. Ou l'occupation ou le fonctionnement du processeur. Brit n'arrive le remplissage de la RAM a un autre ID. Yani chaque état d'un composant le Brit chauffe a un ID bien précis. De telle sorte, la communication le gestionnaire SNMP ou l'agent SNMP ratouli que 12 par je veux connaître l'OID, atteindre l'information dialo ou l'état, ou la réponse, l'autre reflète la valeur de l'état. D'accord, donc c'est l'OID, il y a la structure, le SNMP, qui gère le information des agents. Donc, moi, je suis présent. Identifiant. Donc c'est un identifiant unique pour chaque donc chaque variable donc imaginez donc les informations de chaque composant ce sont des variables chaque variable d'instance عندها واحد
l'identifiant unique qui va là l'identifier d'une façon unique la structure du SNMP. MIB, le MIB, Management Information Base. La base d'information de gestion. C'est un ensemble de OID. Les OID, je mets une base de données. C'est ma rôle MIB. Donc l'ensemble sont regroupés dans la MIP. D'accord, donc en gros, les composants du SNMP indiquent le gestionnaire. Le serveur SNMP, qui est un superviseur, le mouchrif, qui est les agents SNMP, les clients, ou le protocole SNMP côté client, qui maintenant a de la couche du protocole, il est présent sur tous les périphériques de toute marque. Ou tout type de périphériques. Mais je m'attacherai seulement à les ordinateurs, mais aussi les firewalls, les points d'accès, les commutateurs, les téléphones, il y a des composants. Normalement, il est préposé à un agent SNMP. Quel OID, donc l'identifiant unique ou l'identifiant d'objet, ou l'object à identifier. Ou là, c'est que maintenant, où est la composant, ou la information, un composant, il est codé, ou là, l'identifiant unique. Imaginez l'ordinateur, ou un périphérique, j'ai une information. باش يجاوب على واحد الحاله ديال واحد الكومبوزون هذاك السؤال كيجي او اي دي والاو اي دي نورمالمون سي اون اون سويت دو نيميرو حيت الام اي بي الى ايغارشيك بحال الدي ان اس الى ايغارشيك وكل نيفو عنده ان نيميرو سا سي اون نورم انترناسيونال يعني تقدر تلقى سي با باغ اكزومبل 1 2 donc 3, 5, 7, 1, 4. Hada c'est un exemple. Si vous avez des coups, vous avez trouvé le format. Qui est parfois plus long que ça. Il est trop long. Il est fin qui touche le bâton cheval. Fin qui touche la variable fin qui touche. يعني بحال 1 هي لو سومي هي لا راسين النيفو الثاني هو 2 3 يعني اوكي لوكاليزي لك بحال دينس عقلتوا على الدينس يعني لا ستركتور ديال الدينس عندك الروت هي الفوق هي لو بوين من بعد كاين تي ال دي من بعد تي ال دي الدومين يعني حتى كتوصل ان سيرفور دي ان اس او لا واحد يقدر يكون ميم ان دومين ديالك انت que tu as réservé sur Internet. Ou avec le chemin, il faut des points qui avec le niveau. La même chose. Il y a un, c'est le niveau le point, qui est le niveau le point 3, c'est le niveau le point 5, c'est le niveau le et ainsi de suite. Moi, l'OID, qui va permettre que les informations des composants ils seront échangées bien l'agent SNMP ou le serveur SNMP. Ou à tout le monde, j'ai organisé la structure du SNMP. J'ai maintenant une base de données du SNMP. Il s'appelle le MIB. Après, on chauffe.
donc les versions de SN ou là on chauffe comme les versions quand on chauffe les requêtes les messages SNMP. Les messages SNMP. Non, les types de messages, les XML, SNMP. SNMP, un de des messages, par exemple, un message GET. GET, ça veut dire quand il veut. GET, c'est normalement quand tu machines le SNMP serveur, l'agent. C'est une requête, il fait le sens. Donc, du. Gestionnaire. Vers du gestionnaire SNMP vers l'agent SNMP. Ou l'objectif là il y a un an. Le serveur SNMP il veut récupérer des informations. Ou là, une demande d'information à l'agent. Demande d'information à l'agent. Ça, la demande d'information, normalement, c'est du gestionnaire SNMP vers l'agent. Le gestionnaire, il demande. L'information, l'agent, il va jamais demander l'information, le gestionnaire. Dima, c'est le serveur qui demande des informations. Qui demande avec une requête de type get. Kim aussi get next. Get next, c'est tout simplement Dima. Du gestionnaire. Dis-moi, get katamchim gestionnaire. Il n'est pas là une demande. Il y a normalement demande de suite. Demande de plus. Demande de plus d'informations. Donc, get, il y a plusieurs manières de le serveur SNMP, de différentes manières d'utiliser le get next. Get next, atteignez l'information suivante. Hein. Demande l'information suivante. Le gestionnaire lui-même met un douche idée l'information sur un exemple un tableau bref l'information affichée un exemple la table de routage la table de routage ou la table de voisine moyenne une information sur le tableau le tableau normalement fait plusieurs lignes. يعني اون انفورماسيون اللي كتعطيني اون سول لين ولكن نقدر نقول لك جيت يعني الى تبعتها جيت نيكس بحال لا كيعطيك لانفورماسيون ديال لو تابلو كامل او لا ان اوتر اكزومبل بحال دابا ما اس ان ام بي ما عرفش يعني نقولوا اونتر غيمي الاو اي دي ديال لا فالور سويفونت بحال اللي كيدار عليها في الميب كيدار عليها واحد لا ريشيرش سيكونسيال سيكونسيال كنعرفو بحال لا لين باغ لين غيبدا يقلب عليها يقلب عليها حتى يلقاها وي المهم نتوما عرفوا بان جيت سي اون دوموند دانفورماسيون دونك جيت عاديه راه اون انفورماسيون وحده جيت نيكست يعطيني داكشي اللي عطيتيني عاود عطيني لا سويت ديالو اما كتكون الاو اي دي سويفون بحال اللي عطيتك واحد الاو اي دي وعطيني هذاك اللي تحت منه كاينه get bulk هذه نورمالمون
بحال كتجمع بلوزيور جيت نيكست او ليو كل وحده تمشي ب في ميساج بحال كتجمعهم كاملين غروب بلوزيور plusieurs plusieurs messages merci donc au lieu d'avoir plusieurs messages بحال دابا مفرقين ملي كيقول لك get bulk بحال جمع ليا لي ريبونس كامل وصيفطهم ليا اون سول فوا كاين سيت دابا انا غندوزو للسيت سيت سي بور بارامتري سيت سي بور موديفي لي فالور ديما تا هي قلنا جيت ديما من دو جيستيونير هادو كلهم من جيستيونير اس ان ام بي لاجون هنا اون فوا دي سي بور موديفي موديفي les variables les paramètres ou les variables de configuration de la variable variable de et avec la commande set le gestionnaire SNP peut changer des valeurs à l'agent. Je ne sais pas le nom de l'adresse IP. Imaginez l'ordinateur ou le routeur ou un composant. Nous pouvons avec la commande set, bien sûr, si on a l'autorisation. Le gestionnaire SNP, si on a l'autorisation, il change la requête set. Donc, c'est une valeur que l'administrateur ou le réhabilitateur هاد لو جيستيونير عنده الحق انه يموديفي ولا لا دونك حنا الا خدينا اون كونسيديراسيون بان لو جيستيونير اس ان ام بي الى لو دروا دو موديفي لي فار لي فالور ديال لي فاريابل اللي كاينين في في لي زاجون كيصيفط هاد لو شانجمون افيك اون كوموند سيت دونك سيت سي اون كوموند كي انفوي دو جيستيونير اس ان ام بي او اجون ولا ا لاجون ولا او زاجون نقدر نبدل بزاف ديال لي فالور ولا ا لاجون اس ان ام بي دو تي سورت ان نموديفي دي فاريابل ولا نموديفي دي بارامتر عند لاجون هنا تراب دابا سي دو لاجون اس ان ام بي vers le gestionnaire NMP. Donc trap, palangulo trap here, c'est la réponse. Réponse aux requêtes get. Les requêtes comme il les fait get. Get. La trappe, c'est la réponse d'hier. Donc, ce qu'il fait, c'est logiquement, Rajimène les agents vers le gestionnaire. D'accord? Donc, get, ou là, get next, ou là, get bulk, ou là, c'est tout le monde normalement, ou parfois, tu as même set. Il y a set, il y a dire set qui set la valeur de bête. D'accord? C'est une. غير هاد الترابس فيها نقولوا جوج ديال لي دو تيب لي ترابس كاين دي ترابس او لا لي تراب اللي غنسميوهم سوليسيتي وكاينه non sollicité.
Donc, solliciter, ça veut dire déjà, tlouba, ça veut dire, hadi, solliciter, c'est une réponse. Un get. Et une tlouba, c'est une demande, une demande. Hein? Solliciter, c'est-à-dire c'est une réponse laissée par l'agent, mais après une demande, le c'est une réponse à un get. Par contre, non sollicité, l'agent est l'agent. C'est une alerte. Quel farc? Un exemple. Le gestionnaire SNMP, il a demandé de l'agent, il a atteint, c'est pas le nom d'Yelk. Ça s'appelait un get, OID, qui signifie le nom. L'agent n'irait tout seul avec l'OID, le gestionnaire, la valeur d'Yelk, avec l'OID, il y a le nom. C'est le nom. Donc, c'est une trappe, l'agent SNMP, après une demande. D'abord, imagine le paramétrage de l'SNMP, l'administrateur, le processeur, il a aussi le taux le fonctionnement de l'OID, c'est une information. Il y a un exemple, le routeur ou le firewall, il a le taux le processus qui fait 80%, donc ce qui fait, le get. Déjà, il a paramétré le périphérique. Il a aussi le seuil du fonctionnement du processeur de l'automatique. Automatiquement, il y a de lui-même, nous recevons une information. Avec l'information, les quatre qu'on non sollicité, c'est une alerte. Voilà, les trappes. Solliciter. Qu'il y a aussi une forme. Une forme, tu sais, pas de trappe. Sauf que, donc, une forme de requête. Fiable. Vous allez normalement maquiner toutes les versions qui sont très bien les versions je date. Les versions d'un trap, un trap, les versions je date, un trap ou une forme. Une forme, puisque on a le SNMP qui est dans l'UDP, une forme, c'est une forme les fait à l'accusé de réception. Il y a l'information trap, retourne-t-il où il y a l'accusé de réception. Normalement, il y a l'accusé de réception de l'UDP. D'accord? Il y a la fiabilité. D'accord? En quelque sorte, là, c'est un message particulier qui sera envoyé au TCP. Voyez la particularité des nouvelles versions. Là où ils peuvent une réponse une forme qui est fiable, c'est-à-dire qui est non l'accusé de réception où ils suivent ou le message le gestionnaire ou l'elle. D'accord, en gros les messages version SNMP la version 1 c'est une version basique qui est la première version non sécurisée. C'est-à-dire qu'il ne permet ni cryptage, ni hachage, ni rien du tout, ni authentification. Se base sur
sur un nom de communauté. Community. هاد الكوميونيتي تو سامبلومون نشبهو لكم بحال البريشيرد كي واحد لو مو بارطاجي بحال كنا كنديرو في لي بروتوكول دو روتاج باش يديروا لوثنتيفيكاسيون كيتقاسموا واحد كلمه السر داكوغ باش يديروا لا ميم شوز. هنايا في الفيرسيون 1 كاين تقريبا كوميونيتي, وهاد الكوميونيتي سي تكست كلير ني با سيكوريزي, يعني اي من ان ذا ميدل دار لانترسيبسيون ديال لا كوميونيكاسيون بين لاجون وبين سيرفور غايشوف اون كلير الكوميونيتي. من بعد كانت لا فيرسيون 2, هاد لا فيرسيون 2 داروها باش بوغ روميدي لو بروبليم ديال لا سيكوريتي ديال فيرسيون 1, غير هي تو سامبلومون كانت بوكو بلو كومبليكي في لا كونفيغوراسيون ديالها. سي بور سولا كو ils ont laissé tomber la version 2, داروا اون فيرسيون ديالها 2C اللي تا هي تقريبا بحال لا فيرسيون 1 نون سيكوريزي, رجعوا لا نون سيكوريتي نون سيكوريزي. Ou ta se base sur la même chose. La différence, il y a cette version, il gère OID. Il y a plus de OID à la version 1. Donc, maintenant, les hommes la sécurité est beaucoup plus compliquée ou je instable. Rajoutons une variante, c'est ma version 2C, où tu as non sécurisé. Et tu as la même chose pour la community. Il gère beaucoup plus de, il y a un goulot côté fonctionnement mondial, il est beaucoup plus évolué que la version 1. Mais ça reste toujours son ni cryptage, ni hachage, ni rien du tout. La version 3. La version 3, il y a la version qui permet donc sécuriser bien sûr s'il est la CLE. Donc, si il est dans la version 3, on peut l'utiliser sans sécurité. Voilà, si vous voulez l'utiliser, si on l'utilise sans sécurité, il y a la version 2C. Donc, on peut utiliser la version 3, mais on ne peut pas être sécurisé, il y a la version 2C. Donc, si il est configuré, la sécurité il est configurée, donc il peut. Il est sécurisé s'il est configuré. S'il n'est pas configuré, ou s'il est sécurisé, ça va donner une sécurité, l'authentification. L'intégrité. Confidentialité. On va faire une question. Donc, authentification, c'est-à-dire, on dit, je suis sûr que la source ou destination, ils sont les bonnes entités ou les bonnes. Périphérique à communiquer le SNMP. L'intégrité, donc il va m'assurer que les données qui circulent entre l'agent ou le gestionnaire n'ont pas été modifiées pendant le transit ou le transport, durant le transport.
Ou la confidentialité, c'est il va m'assurer le cryptage. Yani le cryptage, il va m'assurer plutôt la confidentialité. Ni sérieux, donc les informations qui sont utilisées entre l'agent ou le gestionnaire. D'accord? Donc je vous peux voilà, donc en gros, ce qu'on vient de dire. Voilà, on a le SNMP Manager, ou le SMINA, qui est parfois le qui SMINA SN. Oula, pardon. N M S Network Manager Server. Le gestionnaire. Ou ici, il y a les agents. Les consommateurs managed node. Il y a le côté serveur qui est le superviseur, ou qui est le côté client qui est le supervisé. Ou le mouchrif, ou le voilà, il y a le management information base, Cisco. MIB. Qui m'a une base de données standard d'SNMP. D'abord, qui a des fournisseurs ou là, des éditeurs, Cisco, HP, je ne sais pas, donc les fournisseurs ce qu'on appelle les fournisseurs, les éditeurs, qui a un cadre que ils ont une structure le MIB. Vous avez remarqué ici. Voilà. Il y a un Cisco. Il y a la structure les télécoms. Il y a ISO. Il y a la racine. On a le niveau. Il y a org, dot, TOD, internet, private, enterprise. يعني الا جمعت هاد لي زانديس اللي كاينين حدا كل واحد عندي 1.3.6.1.2 فين غادي نوصل الا لاحظتوا غنمشي من هنايا وغادي نوصل لهاد انترفاس جروب فوالا انترفيس جروب هذا هو سكون ابل le OID. Ce qui fait que le gestionnaire utilise le OID ou l'agent qui a donné la variable qui est dans le OID, je ne réagis pas avec l'interface group ou avec la valeur qui est dans l'interface group. D'accord, donc c'est le OID. La base de données MIB qui m'a dit que c'est le Cisco dert la structure de la ou d'aft le MIB. Ce qui fait les périphériques Cisco, c'est le cas de tous عندهم هذه المعلومه هذه تمشي للاش بي غتلقى اش بي تي زادت واحد لا ستركتور ديالها في واحد النيفو هذا النيفو انتربريز ودارت اش بي ان اكزامبل وخرجت منها دي برونش باش غولاتيف لي كومبوزون اللي عندها في لي ماتيريال بحال دابا غتلقى روتور دايره ليه لي كومبوزون ديالو سويتش دايره ليه لي كومبوزون ديالو فاير وول حيت هي اللي عارفه لي بيريفيريك ديالها دونك شنو دارت خرجت واحد لو نيفو وضافتو لهذا الميب ماجن انفورميشن باش ملي الا بغيتي بحال دابا عندك ان اجون سيسكو وعندك جو سي با واحد لو جيستيونير تيرس il suffit de télécharger هاد الام اي بي ديال سيسكو حيت لا باس دو دو يقدر يكون عندي بليزيور ولا وحده اون بو لي تيليشارجي بحال دابا لو سيرفور جيستيونير الا خدام بالام اي بي
وما عندوش هاد لا روش ولا هاد لا بارتي سيسكو، يقدر يتيليشارجي الام اي بي اللي فيها لا روش سيسكو، دو تي سورت انه يبدا يسول لي بيريفيريك سيسكو على لي فالور اللي عندهم. داكوغ، دونك كتبقى اون باز دو دوني بحال لاكتيف ديريكتوري. عندك واحد لاكتيف ديريكتوري اللي جاي من واحد الشيما اللي ني با اللي ني با يعني ما فيش ليكستونسيون، مع ان اوتر اللي كاين في اون اوتر فوري اللي فيها اون اكستونسيون، زادو دوتر اوبجي فيها. نقدر الى درت ليكستونسيون ديال ما نوفيل فوري غادي تولي فيها لي زوبجي ديال اخرين. عقلتوا على لو شيما والاكستونسيون؟ حنا عطيتكم تشبيه، هنا عندي اون باز دو دوني بحال هي ستوندار، نقدر نتيليشارجي نابورت كيل باز دو دوني اللي فيها لي كومبوزون ديال داكشي اللي بغيت نجير. هنا فين غيبان لنا لي فيرسيون ولا ديفيرونس. دونك لا فيرسيون 1 فيها نو اوس نو بريف، باش نعرفوا هادو مزيانين لان بار لا سويت غيسهلوا شويه في لا كونفيغوراسيون. و لا ميم شوز غيسهلوا دونك لا كومبريهنسيون ان شاء الله من وصلوا للسي سي ان سيكوريتي. دونك اس ان ام بي فيرسيون فيها نو اوس نو بريف. نو اوس نو بريف، الاوس سا فو دير لوثنتيفيكاسيون، والبريف سا فو دير لا كونفيدونسياليتي. داكوغ، دونك مي كيقول ليا لو نيفو ديال اس ان ام بي هو نو اوس نو بريف، سا دير كنخدم الكوميونيتي سترينغ اللي قلت لكم بحال بري شيرد كي، كيولي بيني بين الجيستيونير والاجون واحد البري شيرد كي اللي كيتقاسموا بيناتهم. قال لكم شو كاين الكريبتاج؟ ما كاينش الكريبتاج نو. وهنا شنو قال لك؟ يوتيليز كوميونيتي سترينغ، يعني خصو يكون كوريسبون بور لوثنتيفيكاسيون، باش انني هذوك لي دو يعني جيستيونير مع لاجون يتحققوا من بعضياتهم، كيتحققوا من بعضياتهم افيك هاد لو مو اللي كدير ولا هاد لا فراز اللي كدير في الكوميونيتي. وكما قلنا راه تكست كلير، يعني با دو كريبتاج. لا فيرسيون 2 سي نو اوس نو بريف، تا هي تقريبا راه بحال لا فيرسيون 1، تا هي فيها الكوميونيتي سترينغ وما فيهاش كريبتاج. وتا هو هاد لو هذاك لو لا شين دو كاركتير اللي غدير في الكوميونيتي خصها تا هي دو كوريسبوندر بين جيستيونير SNMP ou le client SNMP. Là, la différence, il est beaucoup plus stable, il gère plus de OID. Nous avons la version 3, qui fait la tête des niveaux, qui fait no os ou no priv. Là, on va dire la version 2C. Là, on 2C. La différence, tu crées un username. Tout simplement, واحد لو لوغين بلاصه الكوميونيتي كيعطيك لا مان انك تكري يوزر نيم، ما فيهاش الكريبتاج وما فيهاش لوثنتيفيكاسيون. دونك نو اوس نو بريف، سادير اي ميم با اوسي، دونك با دوثنتيفيكاسيون او با دو دانتيغريتي او با دو كريبتاج. دونك قالك هنا اي لوتيليز يوزر نيم، خاص اليوزر نيم تا هو اي دو كوريسبوندر في لي دو بو. بحال نورمالمون خدام في الدوسي. الدوزيام نيفو ديال اس ان ام بي فيرسيون 3 دابا عندي اوس نو بريف، ما بقاتش دابا نو وحده اوس، دابا ولا اوس يعني اوثنتيكيشن و نو بريفيسي، يعني ما كاينش برايفيسي، ما كاينش الكريبتاج، ولكن كاين لو بروتوكول. اوس هو لو بروتوكول دو هاشاج، والبرايفسي بريف هي لو بروتوكول دو كريبتاج، نعقلوا عليها. داكوغ، دونك اوس كيعنيو بها لو بروتوكول دو هاشاج، والبريف كيعنيو بها لو بروتوكول دو كريبتاج. الا قال لي اوس نو بريف، سادير عندي لو بروتوكول دو هاشاج وما عنديش لو بروتوكول دو كريبتاج. شنو هما لي بروتوكول دو هاشاج اللي كيخدموا في فيرسيون 3؟ عندك الام دي 5 message digest 5 ولا secure hatch algorithm SHA.
Donc, bien sûr, les variantes de clé d'IAM, par exemple, fait 128, 192, 250. Elle a la clé des bits. Ou là, bien sûr, ma fiche no encryption, ma fiche le cryptage. Elle a dit os no priv. Il fournit une authentification basée à la MD5 ou la SH. Donc, l'authentification, il y a donc le mot. Le rentre à ce ou le destinataire est 12 haché. Il n'est pas clair. Troisième, il y a os priv. Il y en a d'abord, c'est-à-dire la plus sécurisée. Donc, os priv. Bien sûr, il y a l'authentification ou l'intégrité le MD5. Aoula, le SHA. Ou d'abord, le cryptage indique des protocoles de cryptage, genre DES ou AES, hein, des protocoles de cryptage symétriques. Symétriques, tout par rapport à l'asymétrique, les chaînes de VPN. Symétriques, donc l'avantage, c'est plus rapide. Là, je l'ai la taille de la clé d'IRM, qu'est-ce qu'on se rien. Ou qu'il y a une seule clé, normalement, pour crypter et pour décrypter. D'accord? Donc, Hadou, ce sont des protocoles de cryptage symétriques. Donc, DES ou triple DES. Donc, le périphérique, je ne sais pas. Tu as un périphérique qui fait DES. Tu as un DES et triple DES. DES. Qui fait plata DES, triple DES, AES. D'accord? Qui fait d'autres protocoles. Moi, Hadou, ce sont des protocoles de cryptage. Il y a ni d'abord le maloma, avec les trappes. Ou là, donc les get, les kesept, ou là, donc les set, les kesept, le gestionnaire, ou là, donc les trap, ou là, l'inform, les kesept, l'agent, ils seront cryptés. Et il y a donc le man in the middle, l'homme du milieu, ou après intercepter les données, ils sont cryptés. Donc, l'authentification, il est basé à la MD5 ou la SHA. La même chose, l'intégrité, l'authentification ou l'intégrité, ou en même temps faire le cryptage de l'information. D'accord? Voilà, donc il y a d'où les informations. Donc, tap, peut-être des agents, le serveur, ou le get, ou set, qui est human, le manager, l'end, les. Ok, maintenant, là, le get next, la même logique get next, ou le get bulk. Ou trap aussi qui trap ou l'info. Voilà donc SNMP qui a tenu les messages intégrité and authentication, le protocole de hachage, ou on dit le cryptage, un protocole de cryptage. Et il y a un tunnel, bini ou bin, un tunnel crypté, bini ou bin les agents. Donc, la plus sécurisée pour les accès SNMP est la version 3 avec OS priv. Voilà, donc là, c'est la partie SNMP, la partie théorique. Donc après, on va voir, monsieur Fou, la partie pratique. D'accord?